De brèves vacances chez des amis à Madrid, Mathieu et Laurent n'étaient pas de ceux à refuser. Fatigués du bruit et des nuages gris de Londres, les amis pouvaient très facilement s'imaginer comme de vrais madrileños, appréciant une soirée chaude à une table recouverte de tapas sur leur terrasse préférée dans le toit de Madrid. Les hommes montent dans l'avion comme les marches de l'escalier d'une dune, déjà avec leurs tongs et leurs projets sur la façon de passer les prochaines 2h30, le temps que devrait durer le vol. Toutefois, ils ont été obligés de mettre en œuvre beaucoup plus tôt leur projet, passer plusieurs niveaux de jeu et finalement, commencer à lire un livre car le vol a été retardé. Après 3 heures d'attente, Mathieu est toujours iPad. Mais Laurent va encore beaucoup moins bien. Impatient, il se met à interroger les gens. Et il apparaît que c'est pas génial. Un des voyageurs qui attend avec eux leur a conseillé de contacter Skycop et de se battre pour une indemnisation pouvant atteindre jusqu'à 600 euros.